Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour la suite de Cave. Alors je sais pas comment c'est quel niveau, hein, honnêtement. Et là apparemment c'est celui du moine. On est dans la mine. Et donc, il faut que je rappelle des boutons. La ramette peut ouvrir. Ok. Donc en fait c'est niveau du moine. Ok. Donc bon, on va poser ça. Hop, et on y va. Que j'ai pas fait, hein. Poutre de soutien. Voilà, c'est son niveau à lui, il n'y a aucun doute. We are now approaching the misty, snow-capped peaks the monk desires to call home, a sequestered haven of austerity and mental rigor. Where entire lives are spent in the pursuit of becoming one with the world. Of course, our telekinetically inclined friend is not quite so ambitious. He'll be happy enough simply being the one in charge, no matter what it takes. Donc, alors une seconde. Je me pose la question. Un instant. Hop. Je vais voir si en fait je peux mettre le son dans un casque. Je fais un peu fort la télé, on va pas se mentir. Voilà. On va mettre le son dans le casque, c'est plus simple. Vous n'avez pas besoin d'écouter deux fois le son de la télé et le son du jeu. Welcome, young apprentice. You have come far, yet your mind is not at peace. To achieve enlightenment, you must pass the four trials of Zenness. Okay. Take this and begin your journey. It is time to embark upon the journey of the mind. To ascend, you must first descend. Remember, young monk, a light touch can have the strongest impact. Go now and cross the bridge of enlightenment. Allez à travers le pont de l'éveil spirituel. Do not let your opinion of yourself grow too great. Remember this always. A single feather outweighs all mankind. Isaac Newton was down here once. I'm pretty sure he would call that scientifically inaccurate. Ouais, on fait quoi maintenant?
tout ça pour une putain de plante. C'est un fleur, je veux dire. That was quite a climb just to grab a feather and turn right back around. I think it's a Zen thing. You know, the journey to enlightenment is more arduous than any mountain path. That sort of crap. Mountain paths are still pretty arduous, though. Toujours plus long monter qu'à descendre, hein, ça c'est connu. Désolé, je pense que la vidéo va être longue. Ah ben voilà. Our enlightenment-seeking trio has completed the first trial of Zenness, which I'm fairly confident is not actually a word. I'm a bit behind the technological curve down here. You know, no spell check. Bizarre. Ah, mon aiguille doit servir pour remonter, je pense. Exact. Bon, 4 épreuves. Je me souviens, putain, il était chiant celui-là. C'est bien fait comme en vrai, hein. Tu te mets contre le vent. À part attendre. Enfoiré, c'est pas retourné. Oh, je suis con, je fais tout ça pour rien. On peut le dire. Ah, mais je veux pas que je cours non plus. Ok. Ah, putain, faut tout recommencer. Super. Super.
Hé, hey, connard! Oh, c'était ce bouton-là, j'ai trompé de bouton. Ok, putain, il fait chier. On va y arriver, hein. Il a mis du temps à venir, ce putain de vent. The monk has completed the second trial of Zenness. He seems to be tackling these challenges in good faith and the proper spirit of calm. Of course. Still waters run deep and very, very dark. Si nous a porté la plume, l'autre. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Merci. Un esprit ordonné recherche équilibre de toutes choses. Oh putain. Verte 3. Ça veut dire qu'il manque 4 si je mets. Ah, il y en a 6, ok. Donc, 8, 7, donc. Là, il y a 4. Il est vide. Donc, on prend 4 déjà. Ok. Si je mets 4 dans 7, ça va faire 3. Là, il y a 7. Hein. Si je rends.
Désolé, hein, mais je suis nul en maths. Hein. La 7. Je t'ai oublié de faire une pause, hein, je le sens. Donc là, si je mets 7 dans celui-là. Si je mets 7 dans celui-là, il restera 6. Et celui-là, 4. Et celui-là 4. Il faudrait que j'enlève la moitié de celui-là en fait. Je crois que je vais regarder la soluce hein, parce que ça va me gonfler en pratiquement plus des heures. Donc je crois que je vais faire une pause où je vais carrément refaire la. Je vais refaire les minutes, je pense. Quoi. En plus, ils disent hein, qu'il faut aller sur le net pour regarder. On va aller sur le net, hein. Internet sert à ça ou pas? Je pense, hein. Allons-y. Enfin, si le site existe encore, hein. MONKPU7. Alors, voilà. Saisir, la faire et la remplir. Okay. On va tout vider, sinon on va jamais y arriver. Donc prendre la 7 de 7. Verser à 7 dans celle de 4. C'est exactement ce que j'ai fait. Verser la jarre de 7 dans le sol du 4. Ok. Saisir la 4 et la vider. Ah, ça, j'avais pas fait par contre. Ok. Verser le contenu de la 7 dans le sol du 4. Là, ça fera 7. Remplir la 7 de 7. On va verser le contenu dans la jarre numéro 4. Oui, mais je crois que c'était 2 qu'il fallait avoir, pas 6. Let it be known that the cave does not approve of using external sources to circumvent official tests of skill and intellect. So I'll just give them the benefit of the doubt on this one. In any case, that's trial number 3 complete, technically. Putain, 20 minutes rien que pour ça. Dégoûté. J'ai mal lu en fait le texte. Bon, bah dégoûté, désolé. Dégoûté, dégoûté. Non ! Le chemin du spirituel est pavé de calme et de paix. Ok. Est-ce que ça veut dire que je peux pas avec la plume ?
calmer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas bouger. Oui, bah, ça, j'ai compris, merci, je ne suis pas non plus... Peut-être qu'il faut monter avec ça là-bas. Oh, quel con. Et pavé de calme et de paix. Ouais, bah là je touche à rien. Ah, peut-être qu'il faut les trois mecs, non? De toute façon, j'ai lu carrément au bout. On va plus te dépêcher, non? C'est heureusement qu'il va plus vite que les autres, un petit peu, on dirait. Oh putain! Voilà. Mais est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose de précis ou pas? Faut sauter, mais je sais plus quand. Surtout et un prendre, bien évidemment. Hein. Je vais tester de prendre la. Oui, voilà, le truc. Bizarre ça. On nous a donné, c'est pour une raison. C'est un objet par bonhomme. Désolé, hein. Je suis sûr que c'est un truc con encore, hein, mais bon, tant que j'aurais pas trouvé. Calme et paix, c'est qu'il faut pas du tout bouger. J'ai fait un, deux, ça c'est la troisième. Donc je touche pas la manette, nous sommes d'accord. Je ne touche à rien, aucun bouton. Attention, suspense. Est-ce que ça a marché? Non, on a touché. Our deepest desires can seem so real, so crucial, can't they?
But in the end, just like everything else, their glimmer fades. Surely the most worthwhile goal is acceptance of one's place in the universe. Excuse me, I think these Zen guys are rubbing off on me. Well, that's all four trials. Enjoy the fruits of enlightenment. Alors, la méditation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, ok. J'ai fait tomber le mec. Remember this, apprentice. Your worst enemy cannot harm you as much as your own unguarded thoughts. De soutien. Non, c'est pas ça. Faut quand même pas tout redescendre. Tiens, s'il faut tout refaire à l'envers, non merci. Hein. Mais j'ai bien peur que si. Il faudrait que j'aille le voir en fait. Mais si je redescends, je ne peux plus remonter. Hein. Ah oui. C'est bizarre ça. J'ai fait un truc, ça fait 1, ça fait 2, ça fait un chemin, 2 l'eau, 3, et ça c'est la quatrième. Ça veut dire que c'est fini. Ah non, voilà. All worldly pursuits have but one inevitable end. Destruction. On peut pas tout remonter quand même, faut en faire abuser.
Là, je sais qu'il faut lui parler, mais bon, faut-il encore y arriver? Ah ben voilà, on arrive là. Peut-être faut les sortir, mais pas du bon endroit. I see you understand what it is to be at peace with yourself. But be warned, a true Zen master is also at peace with the world. This is going to hurt! Yeah, I don't think that's the orthodox method for obtaining this particular position in the temple. Hey, but what do I know? I never passed comparative religion. Désolé pour toi. Où est la plume? Non, j'ai oublié la plume. Bon, bah tant pis. Do you suppose the monk's companions knew what he was up to? Do you suppose he himself knew? Or was he acting out the only path he had? I have my own thoughts on the matter. And I've had more than a few millennia to weigh it over. But I'll let you reach your own conclusions. Our friend the monk's tale is nearly at an end. Oh, c'est putain de plume. Au cas où, je peux tout refaire. Bon, moi tant pis, j'ai plus de plume. N'inquiétez pas, les autres me suivent. Ah, bah voilà. Et voilà, niveau, putain. Oh putain, il va être chiant celui-là, ce niveau avec la barque. Et on le fera après, parce qu'évidemment, ça va user du temps. Et voilà. Hey, anyone know any sea shanties? 99 bottles of beer on the wall, 99 bottles of beer. Oh, that's more a bar song than a sea shanty. Ooh, I've got one. 99 bottles of rum on the wall, 99 bottles of rum. Beaucoup de requins. I'm rescued. Rescued? Shut up. After years on this blasted island, I can finally leave. Finally leave? Shut up. Shut up. Shut up. I'm going to go collect my stuff and get my beloved dog Spanky so we can skedaddle. Beloved dog? Shut up. Well, from stuck in a cave to marooned on an island stuck in a cave. Things aren't exactly looking up for our friends now, are they? No, they're not. Oui, ben merci. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez, un petit commentaire ou un pouce bleu. Et puis, ben, à la prochaine. Merci, au revoir.